Salut tout le monde, je suis Mikarob Gaming et bienvenue dans ce nouvel épisode de Death Gun. Et là, c'est peut-être la fin. Je me dis peut-être, parce que comme je sais pas combien de temps le jeu dure, ou même si je suis Je vais vraiment patrouiller un à peu. toute fin, imaginons avoir une autre pancarte et finalement c'est pas la fin. Mais bon, je pense si, parce que là on va s'attaquer au colonel et à ses hommes. Alors c'est déjà attaqué à eux, puisqu'on a eu trois petites missions. On a tué, on va dire, des petits groupes de 9-10 personnes qui sont proches du tunnel, où en fait on va dans l'autre, enfin dans leur territoire, on va dire. Attends, juste enlever ça là. Voilà. Et on va ici. D'accord. Bon. Epsilon a quitté. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Oui, j'ai fait une horde de 500 freakers. J'en reviens toujours pas de les avoir tués. Allez, on enclenche la mission. Non? Bah pourtant, je suis dessus. Je comprends pas pourquoi ça veut pas là. Ah, d'accord, fallait que je sois à pied. Apparemment, tout est prêt. Ouais. Et qui a tout connecté au volant? On avance jusqu'à la porte principale, on saute. Et adieu la milice. Ok, bon, t'es sûr de vouloir faire ça? Parce que ça fait quand même une sacrée route avec un seul bras. Trop duc. Écoute, Bowser, on sait tous les deux que c'est peut-être qu'un aller simple. Ouais. Je conduirai pas au retour comme ça. Un peu que c'est ce que je veux. Ah, par contre là il est. Regarde les graphismes, enfin les trucs là, regardez ce bug de graphisme. Il y a pas 36 motards qui risqueraient un coup aussi dingue. Juste nous deux. Ouais. Franchement, je suis déçu là par contre. Les mises à jour, ça n'a rien fait du tout. Alors, on y va ou pas? Et comment? Attaque suicide alors. Ah non. On ne sera pas que tous les deux. Ricky va nous accompagner. On dirait que Ricky est vieux finalement. Quoi de neuf, Dick? Jolie veste, ça te va très bien? Ricky, allez, je vous remercie, mais Boozer et moi, on a quelques trucs à régler. Les nouvelles vont vite. Ton petit discours en a inspiré plus d'un, Dick. Je te l'ai dit, tu arriveras pas tout seul. C'est dingue. T'en fais pas. Ils le font pas pour toi, ils le font pour lui. Oui. Pour Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Ok, écoutez, c'est pas compliqué. Boozer et moi, on va attaquer la porte nord et la faire exploser. Tous se poster à la porte sud vont remonter. Tout ce qui vous reste à faire, c'est suivre Ricky. Ok, on est prêts? Vous êtes prêts? Écoute, je t'appelle dès qu'on frappe le pont. Faites rien avant mon signal. Attendez. Ok! C'est parti! Allez! Pour Iron Mike. Pour Iron Mike. Qu'est-ce qu'il fout? C'est notre seule chance, mec! Putain, Boozer! Vas-y!
Récupère ta femme. Oh non, il va... Il se sacrifie. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais venir, ça aussi. Putain. Mais j'étais pas totalement sûr. T'aurais dû prévenir Ricky, là, normalement. Ok, c'est parti. Bouger. Je peux pas changer d'arme. Et pourquoi t'as pas sauté? T'aurais dû sauter. Putain. Bouger. Oh putain de merde, Bouger. Oh, c'est pas vrai. Oh, je vais tous vous buter! Tous jusqu'au dernier! Oh, ta merde! J'ai besoin de toi, j'ai perdu mon sang! J'ai trop soif! Non! J'ai pas mis visé à côté là, ça va pas ça. Ça va la merde! Non! Là, je veux fouiller! Ouais. Merci! Là-bas. Merci. Attends, je préfère prendre ça, ce sera mieux. On enlève le silencieux, ça sert plus à rien. Oh! Je te vise pourtant. J'ai visé la tête aussi. Stock là. Je peux faire le truc de concentration? Non, je peux pas. Faire ça. Il est où? Là-bas. Un gros bras, un bordel de merde. Où ça? Ah merde! Tu vas m'arrêter! Attends. Allez, viens, sale enfoiré! Prêt, hop là. Et voilà. Non, un mort. Tu t'es gouré là. Tiens bon, Sarah. Oh, je suis presque. L'arche. Il faut que j'atteigne l'arche. Ok, ça c'est fait. Ah mince. Je voulais le fouiller avant. Oh,
armée. Vite, remontez au niveau supérieur, allez. Allez. Remontez, commencez à poser les charges. Bougez-vous, putain, allez. Vous avez compris? Alors go. Retrouver Schizo cette fois, non? Et cette fois, on va le tuer. Oh, Schizo. Cette pourriture de Schizo. J'arrive, Schizo. Ok, on va envoyer de manière forte. Le sommet. Il faut que je réussisse à atteindre le sommet. Ah, lance-flamme. Oh, merde, merde. Il faut que j'arrive à contourner toute cette bande. Oh. Pour récupérer des munitions dessus. En fait non, je peux pas. Ou alors je récupère mais sans... en fouillant les corps. Oh, y a un bug là. Non. Arrête de prendre les armes qui t'appartiennent pas. Putain. Mais non plus. Ah, mon arme. Putain. Possible ça. Ah, sniper, il doit être sur la tour. Je vais m'en débarrasser. D'accord, deux balles où je le touchais, mais c'est pas grave, hein. L'autre est arrivé, il s'est fait tuer. Voilà. Pas besoin de les contourner. Ah, peut-être en passant dessus, je récupère leurs munitions peut-être. Vraiment en fait. Ça sera beaucoup mieux. J'ai touché. Je le touche deux fois et pourtant pas du tout. Non. En arrière. C'est ça, continue. Mais arrêtez de dire blessé puisqu'ils sont morts.
recharge. C'est bon. Ah putain. J'ai pas vu ma vie qui a été si basse. Touché, yeah, touché. Ouais, je sais, moi aussi, regarde, tac. Allez, oh go, oh go, oh go, oh go, oh go. Quoi que ça. Allez, les autres attaquent. Ricky, tu m'entends? Dick, on les a eu. On les a eu. Dick, Dick. Ah. Ricky. Putain. Ricky. J'aime pas, là. C'est bon, on les voit, là. Allez. Ricky, enfin, on voit, la, on voit le lieu, quoi. Ça. Voilà, merci. Putain, c'est chiant, ça. Enfin. Tiens bon, Sarah. Un des snipers. Chien. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Je récupère ce qu'il y a ici. Voilà. Non, mince, c'est pas grave. Dépêche-toi. Ta gueule, tu veux que je nous fasse sauter? Putain, t'entends ça? Grouille-toi. Voilà, c'est prêt. Ok, il y en a combien? Assez. On va voir le colonel. Viens. Faut enlever ça, là. Capitaine Sarkowski, vous me recevez? Non. Combien vous avez posé d'explosifs? Capitaine, on n'a pas eu le temps de tous les poser. Quoi? Eh, merde! Combien, alors? La bible du colonel. La l'air certainement... Trois, chefs. Ok, ok. Je descends voir Weaver pour récupérer le détonateur. Surveillez l'entrée de la grotte, compris? Laissez passer personne! Oui, chef, compris. Personne n'entrera. Matt peut aller se faire foutre. Et arrêtez d'utiliser ce putain de canal! Il est peut-être compromis. Schizo. Putain d'enfoiré. Voilà. Trois explosifs. Bon, faut que je les trouve. Ah d'accord, il est en dessous. Comment je fais? Attends, je repasse par là. Voilà. Il faut que je le désamorce. Voilà. Ok, putain. Merci. Ils sont les autres. Voilà. J'arrive, Schizo. Attends-moi. Thank you.
Ils sont tout en bas, ok, d'accord. D'abord faire celui-là là-bas. Ah, faillite. Je suis tombé. Ah, on va faire celui-là là. Ok, ok, voilà le deuxième. Allez, saloperie. Ça y est, ça devrait être bon. Encore un. Faut que je trouve le dernier. Je suis presque là, Schizo. Prépare-toi. Allez, donne-moi ça à toi. Voilà. Là, on t'a fait une grosse explosion à l'entrée. Malheureusement, Boozer s'est donné la mort. Hein. Parce qu'il fallait que le camion fonce directement sur sur la... Il est ici le truc. Ah, il est là, c'est bon, je peux passer. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Désolé, mais tu feras rien exploser aujourd'hui, Schizo. Où tu te caches, hein? C'est un chapeau ou c'est un casque? Voilà. D'accord, bon bah. J'essaie de bien faire, hein. Il est là, j'avais pas vu lui. Ah! Ok, moi j'aurais sauté, mais c'est pas grave. Allez! C'est bon, j'y suis. Allez, lieutenant, il est où ce putain de détonateur? Va te faire foutre, je resterai pas coincé ici! Weaver, tu sais qu'on fait que suivre les ordres, ça marche comme ça. Il est où, putain? Ça lui va pas du tout le casque avec ses vêtements. Où est ce putain de détonateur? Donne-le-moi! Schizo, je te conseille de le libérer. Ne force pas, putain! Et voilà! Non! Merde.
Ah, fallait pas que je fasse ça alors. Je pensais que je pouvais le tuer. Weaver, où est ce putain de détonateur? Mais comment je fais? Oh putain de merde. Ok, d'accord. Illogique, mais d'accord. Weaver, où est ce putain de détonateur? Sauvez Weaver, sauvez Weaver, c'est ce que j'étais en train de... J'essaie de le libérer. Oui, espèce d'enfoiré. Ah, c'est ce que je devais faire. D'accord. Ok. Le tuer n'aurait pas été suffisant, quoi. Et je dois aller où, là? Comment je fais? Ah, par là. Weaver, tirez-vous en vitesse! Allez, dépêchez-vous! J'ai du monde qui sort de la porte nord, allez-y! Non, j'ai choisi ça. Putain, mais tu lâches jamais l'affaire, enfoiré! J'ai su ce que t'avais fait, Nick! J'ai su ce que t'as fait à tous ces Reapers! Ouais! Que tu les avais noyés comme une putain de portée de rat! Non? T'as franchement rendu service au monde! Mais je parie qu'Iron Mike l'a pas vu de cet œil, hein? Je veux que tu saches. Je voulais pas le buter. Vraiment pas, Nick, ok? Mais il m'a pas laissé le choix. J'ai essayé de le raisonner. Mais putain, il voulait rien entendre. Tu vois? Il voulait rien entendre, rien! Et tu dois avoir sacrément envie de me tuer, hein? Pas vrai? Pour me suivre jusque-là. Putain, ouais, oh. Hein? C'est ça? Ah! T'es revenu pour la nana? J'ai de mauvaises nouvelles pour toi, Deacon St. John. Quand Corey t'a fait sortir, le colonel était pas super joyeux. Oh non. Alors il a brisé ta gonzesse comme un putain d'œuf. Crac! Comme un œuf! Ah putain, non. Oh non! Mais j'ai même pas vu qu'il m'avait envoyé une grenade. Oh non non! Merde, putain! Je l'ai pas vu balancer, mais... Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai eu, c'est bon? Ça finit aujourd'hui! Je peux même pas me soigner, putain! Je peux même pas choisir mes armes. C'est bloqué, je peux plus choisir d'armes ni rien, ni me soigner. Non, putain! Non, ça va. Non, je suis pas mort. Je suis toujours là. Ah, je suis mort trois fois, mais quand même. Quoi? Pourriture! Ah, je vais te buter de mes propres mains, t'as compris? Mais je veux me soigner. Putain, t'es chiant. C'est chiant là. Je peux rien faire. Et je peux même pas tirer. Pourquoi? D'accord, ok, j'ai rien compris du tout. Non! Putain. Mais il glisse trop loin! Pourriture! Oh, je vais te buter de mes propres mains, t'as compris? Ça m'a pris crève, enfoiré! Voilà, putain.
Et voilà. C'est quoi, Schizo? À une époque, j'aurais traîné ton cul jusque dans le No Man's Land. Et je l'aurais laissé en pâture aux mutants. Mais... je vais pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'écharperait. Morceau par morceau. Mais contrairement à moi, il s'y prendrait aucun plaisir. Ok, bah enfin, putain, je te jure. Fermez tous vos gueules! Je sais ce qui se passe là dehors! Là dehors, à l'extérieur de l'arche! Mais ça ne nous concerne pas. Nous, on est en sécurité. Rien ne peut nous atteindre ici. Vous m'entendez? Ah. C'est Dieu qui a inspiré cet endroit. C'est une terre consacrée. On est en sécurité tant qu'on est à l'intérieur. On est en sécurité dans cet endroit. T'entends pas les pas de la mort? J'ignore quand et pourquoi, mais j'ai eu une vision. Il y a un mois, peut-être. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps, et je sais que nombre d'entre vous ont pu ressentir la même chose. Et je pense que si nous pouvions... Deacon ? Donnez-moi votre arme. Pas le choix, hein. Il tirerait sans hésitation, lui aussi. Relâchez-les, colonel. C'est terminé. Votre milice est battue. Voulez-vous un thé? Je suis sûr que oui. Sarah, pourriez-vous servir une tasse de thé au Drifter? L'arche était... notre unique espoir. Vous en êtes conscient, bien sûr. Une fois le monde purifié, elle était la seule chose qui nous aurait permis de reconstruire. Tout était là, à l'abri, sauvé par la grâce de Dieu. Cela étant dit, nous n'avions pas réussi à trouver de pianiste, n'est-ce pas? Ça n'a plus guère d'importance. Il ne restera bientôt plus personne pour écouter la musique. Vous nous avez détruits. Vous avez réduit à néant tous nos efforts. Non, colonel, c'est vous. Quand vous avez déclaré votre maudite guerre sainte, vous savez, à choisir, colonel, entre vous et les mutants, je choisis les mutants. Eux, quand ils tuent, au moins, c'est pour bouffer. Et ils ne tuent pas de femmes désarmées. Non! T'es revenu. Regarde. Bah voilà. Installer une tente pour trier les blessés. Hé! Hé!
Hé, il y a une grotte par là. Tu trouveras des fournitures médicales. Rassemble quelques hommes et vas-y. Quoi? Et toi? Avec moi. Ricky! Adi! Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux vous aider. Je suis médecin. C'est fini. Ceux qui n'ont pas été tués ou blessés par l'explosion se sont rendus. Où est Boozer? Ricky, j'ai besoin d'un coup de main. La porte nord, la porte sud, allez! Il me faut de l'eau. Ricky! Je vois plus rien. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Hé! Hey, j'espère que tu m'en as gardé un peu. Il a envie, cool! Boozer. Oh, il a dû sauter, mais à la dernière des dernières secondes, quoi. Ouais. Moi, je pensais qu'il est réellement mort, ça. Oh, sauter, moi aussi. Non, mais juste avant d'arriver à la fin du pont. Ouais. J'ai vu le camion. J'ai senti le souffle de l'explosion, alors que j'étais sous l'eau. C'était une sacrée virée. Ah, c'est cool. Ça aurait été con qu'il... Enfin, ça aurait fait, genre, une fin... Une bonne fin pour lui. Tu croyais quand même pas que j'allais me faire sauter? Et qui t'aurait cassé les couilles? Ah ouais, c'est vrai. Hey, oh, salut. Petite sœur. Ouais, ouais, longue histoire. Alors, j'ai entendu dire que quelqu'un te cherchait. Il avait que ce mot-là à la bouche. Ouais, enfin, l'écoute pas trop. C'était surtout son idée, en fait. Et qui, Ali? Laquelle d'entre vous me sort de ce toit? Ah, ça fait super plaisir, franchement. Ah, je le voyais pas. Enfin, je le voyais mourir. Parce que... Ah, je sais pas. Je le voyais mourir à un moment donné, quoi. Mais je le voulais pas. Je voulais pas qu'il meure. Et en fait, Epsilon, est-ce que c'est toi qui es là encore? Pour savoir, puisque... J'ai ton suivi, là, ton follow. Mais le truc, c'est que... Tu m'avais pas déjà suivi avant? Et à vous, l'ami. Alors, j'ai entendu dire que vous restiez pour reconstruire. Le colonel avait aussi de bonnes idées. Enfin, avant qu'il pète les plombs. C'est le deuxième à me dire ça. Qui d'autre? Coury? Vous savez quoi? Je l'emmerde. Hey. Il nous a abandonnés. Sans son aide, on serait tous morts. C'est ça, ouais. Je pense qu'on va recommencer à zéro sans tout le délire militaire. Hey. Vous allez rater mon discours. Non, je pense que je m'en remettrai. Je crois qu'il a eu assez de discours pour lui aussi. Alors, on a gagné. T'as réussi. Tu sais, j'ai vraiment cru. J'avoue, pendant un instant, j'ai vraiment cru que j'allais me faire sauter. Je te l'ai dit, il me reste des trucs à faire. Bon, entre-leur, vieux frère. Ouais, c'est parti. Jack serait fier. Jack, c'est qui? Je veux savoir. Qui est Jack? T'as réussi. On a réussi. Bien. Tu vois, ça vaut parfois le coup d'allumer un cierge. En fait, c'est plus... un genre de feu de joie qu'un cierge, mais... Pas faux. C'est la première fois que je te vois faire un discours. Oh, arrête. Ce sera pas un discours. Ok. Lieutenant. Arrête avec ça. Pourquoi ils arrêtent tous de parler, là? Bah, ils veulent t'écouter. Bon, bah, ils t'attendent. À toi de jouer. Je sais qu'on a quasiment tout à reconstruire. Alors je vais tâcher d'être bref. J'ai rien d'un leader. C'est ça, ouais. Je me demande ce que vous pensez, j'en suis pas. Mais... vous avez accompli quelque chose aujourd'hui. Tous ensemble. On s'est unis pour combattre.
Pas parce qu'un connard nous l'a demandé. Mais parce que c'était la bonne chose à faire. Et vous savez quoi? On a gagné. Je vous ai vu galérer. Reconstruire. Je vous ai vu combattre pour sauver des vies. Pour protéger et nourrir la communauté. Je vous ai vu sacrifier tout ce que vous aviez. Tout ce que vous étiez. Pour apaiser cet enfer. Et c'est pour ça qu'on est en vie. Voilà pourquoi on est en vie. Parce que si on perd tout espoir d'avoir une vie meilleure, ou un avenir qui vaille le coup, alors pourquoi se battre? Vous savez, Iron Mike, il m'a dit un jour que nous façonnions le monde tel qu'il est, par nos actions. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Vous voyez ça? C'est le tout premier pas. Oh, il a cramé d'un coup. En un instant. Je croyais que tu ferais pas de disco. Ouais, j'ai merdé. Alors, c'était comment? Disons que c'était pas mal pour un motard hors la loi. Motard hors la loi. T'es prête à prendre la route, ma jolie? Je sais pas, ça dépend. Où est-ce qu'on va? Partout où on voudra. Bon bah voilà, c'est fini. Hein. Je pense que je vais laisser ça là. Je pense qu'il va y avoir plusieurs images. En tout cas, merci d'avoir suivi ce let's play avec moi. Franchement, il y a des défauts, mais on va dire que ça passe avec l'histoire et certaines missions. Donc ça va, ça passe. Donc et aussi bah Boozer, je pensais qu'il allait vraiment mourir. Hein. À partir du moment où il a éjecté Deacon du camion, je pensais vraiment qu'il allait mourir. De toute façon, c'est ce que je pensais en fait. Dès qu'on retrouve Sarah, je me suis dit qu'à un moment donné, on allait perdre l'un des deux, Sarah ou Boozer. Mais au final, pas du tout. On perd ni l'un ni l'autre. Donc c'est cool, c'est une bonne fin. Un happy end, super. Donc voilà. Donc j'espère, comme je disais tout à l'heure, que ça vous aura plu. Likez la vidéo avec un gros pouce bleu. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc pour un nouveau let's play. Ciao, ciao. Wow. Secrets are waiting for me when I get to my grave, 'cause the price we paid left a mark that stains, and I don't